Est-il possible d'anticiper le risque d'inondation? En France, un quart de la population habite en zone inondable. Et pour réduire les conséquences de cet aléa naturel, il y a des comportements à adopter. Avec La Massif, on vous explique. Déjà, informez-vous et préparez-vous. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie pour découvrir l'historique de votre région. Suis-je dans une zone inondable? Jusqu'où l'eau peut-elle monter? À quelle vitesse? Il existe un plan de prévention des risques d'inondation pour répondre à toutes ces questions. Vous pouvez aussi consulter Géorisque et Repères de crue. Ces sites peuvent vous donner des informations relatives à votre région. Votre habitation se trouve dans une zone inondable? Il y a des mesures préventives à mettre en place. Préparez votre foyer. Il est important de sensibiliser l'ensemble des membres de la famille au risque d'inondation. Aménager une zone de refuge, celle-ci doit se trouver au-dessus du niveau de la plus haute crue constatée. Et cette zone doit avoir une fenêtre ou une trappe pour permettre une éventuelle évacuation. Vous pouvez aussi préparer un kit de survie avec une lampe, une radio ou encore de l'eau à entreposer dans la zone de survie. Et enfin, n'oubliez pas de protéger vos documents importants en les numérisant et en les stockant dans un drive ou encore un cloud accessible à distance. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle se retrouve dans vos favoris. Comme ça, vous pourrez la revoir quand vous le souhaitez. Et dans la prochaine vidéo, vous découvrirez les bons gestes à suivre lorsque l'inondation survient.